Je crois qu'il va pleuvoir, donc on avait prévu... Quand je suis arrivée, il pleuvait. Hein. Ah ouais mmh. Oh non. Donc on avait prévu un programme trop bien, et là on sait pas trop ce qu'on va faire, mais bon, vous inquiétez pas, on va pas s'ennuyer. C'est parti. Donc le programme de ce matin, là on va sortir, on va aller faire quelques courses pour une vidéo qu'on va tourner demain. Ensuite on reviendra manger à la maison, et cet après-midi on sortira. Ça y est, on est rentré, donc on va vous montrer ce qu'on a acheté pour cet après-midi. On a acheté déjà des chips d'Allo. Ça vient de Marseille et du coup, je voulais trop les faire goûter à Léa parce qu'elles sont vraiment trop bonnes. Donc tu me diras ce que t'en penses. Ouais, j'ai trop hâte de tester. Là, elle va me faire tester plusieurs spécialités qui viennent d'ici. Qui viennent d'ici ou genre du sud? Chips d'Allo, ça vient d'ici et sinon, c'est du sud. Voilà, mais du coup j'ai jamais goûté, j'ai trop hâte. On a pris aussi des chelsétoises, Léa jamais goûté, donc on va aussi lui faire goûter. Et après on a pris de la salade pour accompagner tout ça. Donc là on va faire à manger, on va manger tranquillement et puis on sortira tout à l'heure. Bon goûte. Je sais pas si t'aimes bien, mais moi c'est mes chips préférées. Ah non, c'est impossible. Moi j'adore. Mais c'est super bon. C'est des chips basiques hein. Mais en fait elles sont fines. Salé comme il faut, moi j'aime pas trop le sel. Moi là, vraiment c'est hyper salé. Ouais, là c'est salé correctement. Elles sont hyper craquantes, non j'adore. T'as vu, c'est trop bon. Mais je pensais que c'était pas des chips nature, je pensais que c'était un truc genre l'Allo. Ah non, Allo c'est une ville. Oh. Je suis perdue. Du coup j'espère que vous allez nous entendre, on s'est mis à l'abri du vent, mais comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de vent à Marseille, donc j'espère que ça va pas trop souffler et vous déranger. Regardez comment on est, on s'est baissé contre un mur, c'est un peu ridicule, heureusement qu'il y a personne, mais bon, enfin nous on s'en fiche. Du coup là pour vous expliquer, on va aller faire les magasins à Marseille, donc aux terrasses pour ceux qui connaissent. Après je sais pas ce que je vais prévoir à Léa, on peut pas faire grand chose avec le temps. Donc bon là aux terrasses c'est couvert donc c'est bien, mais après on sait pas où on va aller. Donc on verra ce que je fais découvrir à Léa. Bientôt 17h, on s'est arrêté à Barbarac, on a pris des glaces. Non mais regardez la taille. Elle mais regarde la mienne. Ouais toi elle est... elle est énorme. Elsa l'a déjà goûté plusieurs fois. Ouais à Saint-Tropez. Moi j'ai déjà goûté une fois mais il y a super longtemps donc je m'en souviens plus. Donc là vraiment j'ai trop hâte, elle m'en parle tout le temps. Donc on va passer à la dégustation. On a pris une boule Snickers. Elle est hyper bonne. Où là on rentre. On a nos sacs dans les mains. Bon, c'est surtout moi qui me suis acheté des trucs, j'avoue. Moi, je me suis acheté un seul truc. Hein. Ouais, c'est vrai. Léa, elle a craqué. Mais on va vous montrer tout ça en rentrant. Franchement, on a passé une trop bonne journée. Je vais faire un petit retour rapide. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse un haul prochainement. Du coup, on est allé chez Sephora. Donc, j'ai acheté. Là, j'avoue, j'ai un peu craqué. Un fond de teint Yves Saint Laurent. Ensuite, c'est simple, je vais vous montrer ce que j'ai acheté vu que j'ai acheté qu'une seule chose. J'ai pris à Bershka un haut. Il est noir. Je vais essayer de vous le montrer pour que ça rende quelque chose. En gros, il a un col rond comme ça.
Ça, c'est le devant. Et le derrière, en fait, c'est ouvert. Et il y a juste un petit lacet comme ça. Voilà. Essayez de vous imaginer un peu. Et c'est tout pour moi. De mon côté, pour les vêtements, j'ai acheté chez Stradivarius. Franchement, il n'y en a pas à Lyon. Donc là, j'avais qu'une seule hâte. Bah, c'était d'y aller à Marseille. J'étais trop contente quand Elsa m'a dit qu'on allait à Stradivarius. Du coup, j'ai acheté un jean. Donc basique, coupe droite. Ensuite, j'ai acheté deux marinières. On n'en a jamais assez. Je vais vous montrer en même temps. Donc, il y a la version manche longue et la version été. Et après, ce que j'attendais le plus, je voulais vraiment m'en acheter un depuis super longtemps. Et en plus, c'était Stradivarius que j'avais vu. C'est un trench. Du coup, là, je suis trop, trop contente. Il est vraiment magnifique. Le devant, il se présente comme ça. Il y a des boutons. Et derrière, il a un petit détail où il est doublé. Donc voilà. Donc notre programme de ce soir déjà, c'est d'aller terminer la vidéo parce que du coup on veut qu'elle soit en ligne demain vu qu'on est samedi. Ensuite, je pense que ce soir ça va être un peu tranquille, on va peut-être se commander à manger. On prendra notre douche et tout ça et après on va un peu chiller à la maison. Et nous on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Dimanche, ce matin, on n'a pas filmé parce qu'on était en train de tourner une autre vidéo et on ne veut pas vous spoiler. Mais là, du coup, programme de l'après-midi, on va sortir au Vieux-Port. Donc on va un peu se balader, faire les boutiques. J'ai 2-3 trucs encore à acheter, comme toujours. Voilà, en ce moment, mais c'est une catastrophe les boutiques. Et après, en fin d'après-midi, on va rejoindre une copine, donc Sophie, vous l'avez déjà vue sur la chaîne. Et on va aller boire un verre tranquillement. Voilà, tenue du jour. Je suis un peu plus grande parce que j'ai des talons. On est habillé comme ça. Vous inquiétez pas, je vais mettre une veste parce qu'en vrai, il y a encore du vent. J'espère qu'on va pas se taper la pluie. Mais bon, c'est parti. En fait, on est allé se balader dans mon quartier vers chez moi. On s'est baladé une heure, mais franchement, il y avait beaucoup trop de vent. On s'envolait. Je me suis pris plein de trucs dans les yeux. Non, franchement, c'était vraiment pas du tout agréable. À la fin, ça devenait insupportable. Pourtant, il fait chaud, mais par contre, le vent, c'était juste pas possible. Donc, du coup, on est rentré. Il y a notre copine qui va nous rejoindre. Je pense qu'on va passer l'après-midi ici. On va faire des petits jeux de société, enfin, tranquille à la maison. Et puis, on sortira plus en fin d'après-midi pour quand même aller faire 2-3 magasins. Parce qu'en plus, Léa veut trouver du lait de chèvre et lait d'ânesse. Hein. Parce que celui que tu m'avais acheté, c'était lait d'ânesse. Oui, c'est vrai. Je l'avais acheté dans la savonnerie de Marseille, donc je trouve ça sympa qu'on y retourne. Faire un petit tour et puis aller boire un verre un peu en fin d'après-midi pour sortir quand même, pour aller au Vieux-Port. Parce que on ne va pas... Enfin, Léa ne va pas quitter Marseille sans aller au Vieux-Port. Après, dommage, on n'a pas pu trop sortir et trop faire de trucs alors qu'on avait vraiment prévu de faire plein de choses. Mais bon, on décide quand même de sortir le vlog pour vous montrer
ce qu'on fait quand on est ensemble pendant un week-end. Après, de toute façon, nous, l'essentiel, c'est juste qu'on soit toutes les deux, même si on reste à la maison et qu'on fait presque rien. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça nous ferait super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !